se retrouve pour des idées rangement scrap room. Donc là, c'est encore pas fini, hein. Vous voyez, j'ai encore les punaises des tableaux qu'il y avait avant. C'est pas fini, comme je vous dis. Mais je voulais vous montrer une petite astuce. Donc, c'est des boîtes de rangement ici, de chez Action. Donc, on a avec 9 tiroirs, 4 tiroirs. Il en existe avec 2, 2. Donc, ça fait toute la longueur, les deux tiroirs. Et un avec plus de petits tiroirs pour les petits embellissements. J'attends qu'il passe. Pour les petits embellissements en métal, ou etc., etc. Moi, j'ai pris que ces deux modèles-là. On va se rapprocher, je vais vous montrer. Pour l'instant aussi, j'ai deux panières avec des tampons bois. Il faut que je rachète des boîtes, je pense, à Stampin' Up. Vous savez, c'est des boîtes un peu comme les cassettes. Derrière, j'ai ma petite panière avec toutes les enveloppes à bulles pour les envois. Et en fait, à côté, vous voyez, ça continue avec... là, c'est tout ce qui est Studio Light, les dies, des tampons. Et comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, on a les petites étagères là-bas. Donc, je vais me rapprocher. Donc, j'utilise ces boîtes. Je vais pas les laisser comme ça, hein. Je pense que je les mettrai soit tout en longueur ou peut-être pas accrochées au mur parce que, en fait, je vais être un peu petite pour les attraper. Mais je vais voir comment je vais faire ça après. Et du coup, en fait, je range toutes mes fleurs comme ceci. Donc, en plus, c'est bien. Après, vous prenez le tiroir pour mettre sur le bureau. Donc, toutes les petites fleurs en papier comme ceci. Donc là, j'ai du doré, du argenté. En plus, on voit à travers. Donc, du blanc, du noir. Là, il y a tout ce qui est rose. Il y a deux roses, un clair, un foncé et du bleu foncé. Comme ceci. Donc, ça, donc il va m'en manquer une boîte que faut que je trouve à Action. Il n'y en avait pas. Et là aussi, on a en marron, en rose vieilli, en rouge et en rouge rose, un rose rouge un peu, enfin, un peu vin. Donc voilà. Et après, on a tous les petits. Bon, là pour l'instant, vous voyez, ils sont là les autres. Ceux-là, il manque. Je vais enlever celle du dessus. Celle-là, en fait, j'avais pas assez de place, donc il faut que j'achète les grands tiroirs. Mais sinon, les autres petits, en fait, ça sert pour tout ce qui est rue. Hop. Il y en a un qui est tombé. Les fleurs en satin. Pareil de chez AliExpress. Et du coup, là, j'en ai du noir, du gris, du blanc, du marron, etc., etc. Donc, je trouve que ces petits rangements sont super pour les fleurs. Voilà. Donc, voilà pourquoi je les ai achetés. Et du coup, les fleurs comme ça, les grosses fleurs en papier, je les ai mis là-dedans. Dans les boîtes à bonbons. Et je sais pas si je laisserai comme ça ou pas. Je vais voir. Mais voilà. Un peu mon idée de rangement pour l'instant. Donc ce qui est bien avec ces boîtes là, c'est que vous voyez, il y a des petits rails sur le côté et en fait on peut les accrocher les uns aux autres. Donc en fait là, en fait, tout vient parce que tout est accroché en un bloc. Donc vous voyez, en fait, on peut les accrocher par le côté, donc en l'occurrence comme ici, et aussi par en haut. En fait, on a des rails vraiment partout, vous voyez, en bas il y a comme des petits rails et sur les côtés. Du coup, ça fait qu'on peut tout faire en un bloc. Comme là, je les ai accrochés pour l'instant. Mais je pense que je changerai après. Je ne sais pas vraiment comment je vais les mettre. Mais pour l'instant, voilà, je voulais vous montrer une petite idée. Parce que je vous en avais parlé en vidéo que je prenais ces boîtes pour ranger mes fleurs. Mais je ne vous avais pas montré. Donc là, vous voyez, c'est super. On prend le petit tiroir. Hein. Il suffit... Voilà. Parce qu'il y a un petit crochet pour tenir. Donc il suffit de lever un peu et on peut enlever le tiroir. Et on peut en mettre vraiment pas mal, les fleurs. C'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Des grands pour les fleurs en papier, parce que j'en ai pas mal. Voilà. Et là, on a les noirs, argentés. Les roses comme ça. Les marrons. Les comme ça. Et les rouges. Voilà, voilà. Et après, il y a tout ce qui est rose, bleu. Après, j'en ai des bleus, verts, des violets, vous voyez. Voilà. Mais il manque les tiroirs. Donc voilà mon petit rangement. Donc j'ai avancé un petit peu. J'ai changé ma scrap room. Donc. Parce qu'avant ça, ici, les meubles comme ça de le roi Merlin avec les panières, en fait, ça se trouvait en face de mon bureau. Et là, en fait, ils sont à ma gauche. Donc en fait, ma chambre, en fait, il y a un renfoncement ici pour faire un placard. Et ici, en fait, c'est une cheminée. Donc en fait, ça fait un renfoncement pour faire normalement un placard. Vous savez, on mettait des portes coulissantes et en fait, ça fait un placard. Mais moi, je voulais pas faire ça et du coup, j'ai mis tout ce qui est mes bannières comme ça. Donc vous allez voir, hein, c'est pas fini mon rangement.
Mais c'était juste pour vous montrer déjà une petite astuce pour ranger les fleurs. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.